Oui, Dieu favorise qui il veut, il rabaisse qui il veut, parce qu'en fin de compte, tout est à lui. Les personnes sont promues du fait de l'intérêt qu'elles ont pour la parole de Dieu, mais elles ne considèrent pas la flatterie. Ils regardent à l'intérieur de la personne, qui en elle sait ce qui est en train de se passer et à quel point elle veut réellement le servir, cherchant le pouvoir pour faire sa volonté, et là les choses deviennent bonnes. Le livre d'Ésaïe 22:19 dit ceci, « Je te chasserai de ton poste, il t'arrachera de ta fonction, parce qu'il ne faisait pas ce que Dieu avait ordonné. » Cela sert d'alerte pour moi, pour vous, pour toute personne. Dieu n'est pas nous avertir de quelque chose par hasard, non. Voyez ce témoignage. Je ne pouvais pas lever mes bras et pas même étendre le linge. Qu'à quelle hauteur vous leviez avant la prière? Jusque-là, regardez. Juste cela? Juste ça. Depuis combien de temps? Près de 11 ans. Près de 11 ans? Oui. Eh bien, baissez les deux à présent. Une séquelle du chikungunya? Chikungunya. Abaissez-les maintenant, car ce mal va partir maintenant. Regardez vers moi ici. Ma sœur, vous croyez en Jésus? Je crois, je suis venue le chercher. Vous dites ceci, Jésus, je crois. Jésus, je crois. Eh bien, levez vos deux bras. Et là, mes amis, à présent, on va prier. Père, c'est vraiment beau de voir les personnes être guéries par toi, le Seigneur réalisant des merveilles, libérant tout le monde. Et au nom de Jésus, j'unis ma foi que la foi de cette personne et je dis, mal, sors de cette vie, va-t'en de là, ne reste pas. Au nom de Jésus, bonne journée.